Bonsoir à tous, au programme de cette première journée du Salon de l'Agriculture, les Ovimpiades, le concours du meilleur jeune berger de France. Un concours auquel participent 4 bourguignons et franc-comtois, dont Bastien. Bastien, bonjour. Bonjour. Vous êtes de Saône-et-Loire, le concours il a débuté dès ce matin. Comment ça s'est passé pour vous pour l'instant ? Pour l'instant, ça se passe plutôt assez bien, sauf dans la théorie, mais bon, on va peut-être y arriver quand même. On vous souhaite beaucoup de courage, en tout cas, les résultats seront connus ce soir. Mais pour ce salon, aujourd'hui, les stars, c'était évidemment les vaches charolaises. Reportage. Madagascar participe à son premier salon de l'agriculture. Et pourtant, la génisse charolaise ne montre pas le moindre signe de fébrilité. Il faut dire que Frédéric, son éleveur, l'a bien préparé. Il a fallu quand même beaucoup de bruits spéciaux à la maison, différents. Des radios spéciales différées plusieurs fois avec des bruits différents, avec du monde qui est passé aussi chez nous à la maison, à l'exploitation. Et donc voilà, elle s'est préparée au bruit, elle est très gentille, elle est très docile. Comme Madagascar, 41 charolaises ont fait le déplacement jusqu'à Paris. Mais la vedette du salon n'est pas bourguignonne. Idéal vient du Rhône et visiblement, elle a tout pour plaire. Ben, je pense que Idéal, en fait, elle est bien représentative de la race, tout simplement. C'est ni la plus grosse des vaches, ni la plus lourde, mais c'est une belle charolaise qui a vraiment la tête représentative. Tête courte, mufle large, corne blanche, orientée vers les yeux. L'égérie de Chanel, c'est pas forcément Miss Univers. Et ben, l'égérie des charolaises, c'est pas forcément ni la plus grande ni la plus lourde, mais c'est une belle vache qui représente bien la race. Après avoir fait les belles devant les visiteurs, les charolaises vont devoir reprendre des forces. Le grand concours de la race aura lieu dès demain matin. Alors c'est sûr, quand on parle de charolais, on pense beaucoup aux vaches. Et pourtant, il faut le savoir, eh bien, il y a aussi du mouton charolais qu'on peut déguster, par exemple, ici, sur le stand de la région de Bourgogne-Franche-Comté avec Denis. Alors Denis, le bœuf charolais, l'agneau charolais, c'est la même chose ? Donc c'est la même race. On connaît plus le bœuf charolais, mais existe aussi le mouton charolais qui est implanté à Charolles. Donc l'agneau charolais, c'est très tendre. Donc il a la particularité d'avoir très peu de gras et c'est très savoureux, très tendre, très goûteux. Écoutez, on va goûter ça. En tout cas, je vois qu'il y a de très bonnes choses ici sur le stand de la Saône-et-Loire. Écoutez, c'est le bon moment de se quitter, hein. Je vous laisse sur ces très belles images de gastronomie bourguignonne et franc-comtoise. Nous, on a passé une super journée. Bonne soirée.